malheureux de Christian Volz chez le Rouergue, ou au Rouergue, maison d'édition fort sympathique que nous apprécions particulièrement. Alors, heureux, c'est l'histoire du prince Jean-Georges, dont le papa, Gros Boule, mais bon, je dirais Gros Boule, sinon c'est pas drôle. Donc son papa a décidé de le marier. Il est grand temps de le caser, le Jean-Georges. Donc il va faire défiler toutes les vaches du pays, enfin les plus belles, les plus que parfaites, qui vont défiler devant Jean-Georges et qui devra décider de laquelle il va épouser. Sauf qu'on se rend compte que Jean-Georges n'est pas chaud. Il est avec ses potes là, et puis sa petite pote poule, elle lui fait « Allez, vas-y, dis quelque chose, fais quelque chose, explique à ton père. » Jean-Georges lui dit « Je déteste les vaches, je déteste les idées de mon père. » Mais en même temps, il n'ose pas trop s'affirmer, quoi. Parce que Gros Boule, c'est quand même un taureau tyran, craint et respecté, gros tas de muscles et de fureur, président, dictateur, général en chef, etc. etc. Donc, on sent qu'on n'a pas trop l'habitude de contredire le Gros Boule. Bon, au final, Jean-Georges finit par dire non à toutes les vaches, évidemment. Donc, son père, il n'est pas ravi. Il dit « Ouais, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est peut-être un petit peu difficile, mais après tout, bon, c'est le prince, il a le droit, bon, ok. Gros Boule appelle son ministre et lui dit « Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux. Donc, tu vas aller me chercher toutes les truies du royaume, en tout cas les plus jolies. Et puis, on va faire un mariage d'amour. Tant pis si la femme de mon fils n'est pas une vache, tant que ce n'est pas une chèvre. » Donc, on va faire défiler les truies. Sauf que, bien sûr, Jean-Georges est toujours pas fan, hein, toujours pas... Non, séduit, quoi. Puis bon, on sent quand même que la poule arrête pas de lui dire « Mais allez, vas-y, dis-lui, fais quelque chose, dis-lui. » Donc le Gros Boule, il commence à observer un peu le manège de la poule. Bon, aucune truie plaît à son fils, très bien. Il appelle son ministre. Bon, bah tant pis, t'as qu'à faire venir les juments, les brebis, et puis même les chèvres. Sauf que Jean-Georges ne prend pas femme, ne choisit pas. Et on sent bien la complicité avec la poule. Donc là, le père pète un câble. « Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que je t'ai pas vu avec cette poule ?» Mais bon, on pourra pas dire que je ne suis pas moderne. Je t'ordonne d'être heureux, donc choisis qui tu voudras épouser. Alors là, c'est la stupéfaction la plus totale. Et là, Jean-Georges décide de choisir Hubert le Bélier, car ils s'aiment en secret depuis des années. Donc, ils se marièrent, vécurent heureux, et voilà.